Bienvenue encore une fois dans notre belle édition de Virtual Guitar Jam. Aujourd'hui, m'a présenté nous un autre jeune talent guitariste. Non seulement monsieur son guitariste, monsieur son producteur, mais monsieur son chanteur tout. OK, donc monsieur relé Eli Lapointe. Qui monde qui Eli Lapointe? Eli Lapointe était quand jouer avec un groupe relé Fahrenheit. Et après ça, Eli était font passer dans New York All Stars. Tout le monde connaît New York All Stars, c'est un très bon groupe qui était un paquet de bons musiciens talentueux là-dedans. Et après ça, nous pas joindre Eli Lapointe dans Jakout Music. Nous croyons que c'est le dernier groupe que monsieur est passé, je ne sais pas si passé l'autre, mais en fait, je connais que Jakout Music, c'est un dernier groupe que monsieur va le passer. OK? Et donc, je dis à c'est très content de recevoir Eli Lapointe qui pourra le jam sur track ça, côté que monsieur pourra l'exprimer, li, même gens que nous, tout le guitariste qui a fait avant. Et une autre information encore qui est très importante, puis le monde par contre de Eli Lapointe, c'est que Eli Lapointe a participé à un concert, quand même, qui a représenté Haïti, à un concert qui a fait en France. Qui côté concert ça a fait? Eh bien, c'est au Fort de Jour. Le monde qui par contre est Fort de Jour, ou du moins, monde qui oubliait Fort de Jour, mais sous son monde qui était étudié l'histoire d'Haïti, ou apprenait que Fort de Jour, c'est là que Toussaint Louverture lui-même était mort. Eh bien, en circonstance, a été organisé un concert qui était pour la négritude. C'est comme ça qu'a été le concert. Eh bien, il a été fait appel avec Eli Lapointe comme seul Haïtien qui était participé dans le concert. Ça. Et nous avons un pilote artiste, un coup artiste antillais et artiste africain. Donc, je dis que nous sommes bien fiers que Eli Lapointe ait représenté Haïti dans le concert. Ça. Donc, c'est une information que je partage avec nous, les gens qui ne connaissent pas ça de Eli Lapointe. Eh bien, sans plus tarder, nous allons passer dans le track là pour nous regarder Eli Lapointe qui va l'exprimer, qui va jouer, ça le fil, ça le senti dans le track. Ça. On va regarder. Nous avons le principe là déjà, donc messieurs, nous enjoy ça, nous allons faire ce track là. Fanatique musique, fanatique guitare. Et c'est Eli Lapointe et c'est avec plaisir que m'entrer la caillou. Si on moun konn exactement j'aime jouer guitare, soit habitué avec style moi ou après que en grande partie moi gagne influence plusieurs guitaristes mais particulièrement ou après que moi gagne influence Ralph Condé. Jodi an li ban mon opportunité pour me participer ensemble avec lui dans Virtual Guitar Jam. Ba caché di nou c'est la joie totale pour moi. Et Ralph gagne la musique et particulièrement qui est Makim. Sous pour musique tant coup et un solo par exemple qui fait un et puis gon l'autre solo qui fait et
Ouais, solo ça yo c'est capable dire c'est Mac Fabrique Ralph Condé. Et pour m'a travail guitare pick up guitare moi, m'étais toujours à suivre Ralph. Vraiment moi plus que reconnaissant à yon talent musical pareil et encore une fois ça avec un pile honneur que m'a participé sous Virtual Guitar Jam nan, mais espérer que après-midi ça m'a fait ce track là. Enjoy. Jodi a lan track sa, le map tan de backing track sa, li espire mwen yon lot feeling kwa. Donc mwen pense ke mwen vle mette yon acoustic guitar lan track sa. Mwen reme jou acoustic parce ke acoustic li gon son ki pop a li menm. Automatikman ke ou mette yon acoustic guitar lan nepot ki muzik, li gon lot koule. Li pas semblé même j'ai avec toute l'autre guitare yo li sonne différemment et qui gon vraiment une couleur qui propre à lui-même donc c'est ça que m'pral fait l'en track ça que nous sortons de là donc m'pral et mette au lieu de jouer avec un électrique donc m'a mette une guitare acoustique sur track ça et m'espérer que n'après-midi on a regarder.